Ça, c'est être méchant. Oh, vraiment, Kindoki, wana ba Congolais ba lobaka. Kindoki, ki bouissa pipa, eza yo. Tata soubwe. Oza vrai un tcho, yaba tcho. Yo même, bato wana ba koufa na famille na yo, il faut ba louka bango. Il faut ba louka bango na torche. Pardon, objectif nanga ba yaya. Et tu n'aimes pas qui? Moi, je connais votre stratagème. La dernière fois, j'ai pleuré ici en live. Vous avez capturé quoi? Voilà une mouton longue. Au moins. N'importe quoi. Vous venez me poser des questions, vous capturez. Je ne vous donne pas l'heure. Regardez-moi celle. Je te jure. Non, elle exagère, sérieusement. Moi, dès lors que j'ai vu seulement sa posture dans... famille, vraiment, j'étais choquée, quoi. J'étais choquée. Merci, ma belle. Vouloir séparer une famille, ça, il faut être vraiment d'une cruauté sans fin, quoi. On les a vus se déchirer ici. Après, le dieu d'Axel était fort, c'est vrai. On va pas se mentir. Eh? Mais moi, je peux pas me permettre d'être au centre d'une famille. Ça, c'est ressortir avec de la honte, quoi. Avec quelle réputation? La réputation de la tata Soboué qui a voulu séparer une famille. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais juste une chose, pardon, quitte pour toi la team bénédiction. Tu n'es pas de la team bénédiction parce qu'on ne réfléchit pas comme ça. La team bénédiction, quand on dit pardon, il faut l'appel. On laisse. Parfois, il y a d'autres qui continuent, mais quand on continue aussi, on continue à un moment donné, on pique un peu, à un moment donné, on recommence un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour toi, là, non. C'est trop. Même ce que tu as fait sur Madiela ou Djamela ou Djamilou, je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est pas pour te manquer de respect, ma puce. Mais je ne suis pas souvent vos lives. Ça même, tu fais ça là même. Tu n'as pas cité le nom de quelqu'un, c'est pas grave. Mais quand tu parles de l'organisme de quelqu'un, ça se fait pas. Faut chercher une délivrance. Cherche la délivrance. Parce que pour toi, là-même, je suis sûr que même que tu te faufiles même à minuit pour essayer de nuire, malheureusement, la pauvre petite. Parce que tu es d'une méchanceté. Ouh! Ta méchanceté, là-même, ça dépasse les limites. Quand j'ai vu la petite dire carrément ne touchez pas à mon entreprise je joue pas avec ça, ça m'a fait mal. J'ai dit comment? On est dans le game, il faut arrêter. La famille Makoso, sincèrement, ce ne sont pas des emmerdeurs. Même si c'est vrai que Makoso souvent fait des choses que mon chéri, mon loulou, parce que Kim c'est devenu ma belle-fille. Mon loulou Makoso souvent il fait des choses un peu bancales. Mais c'est pas des gens méchants. Ce ne sont pas des plainteurs. Ce ne sont pas des personnes qui vont rentrer dans ton inbox pour t'emmerder. Ils ne sont pas dans ça. Ils comprennent que c'est le game. Ils sont même les plus tolérants, je dirais même de la toile. Ils ne sont pas des Likouja. Moi, mon tout est sota, moi, d'abord. Mais... ils sont dans la mesure. Ils connaissent que c'est le game. Il y a d'autres là même. Hein. Eux, ils ont le droit d'insulter les gens. Mais quand tu les insultes là, c'est là où ils deviennent des plainteurs. Alors qu'ils oublient que eux, ils insultent les gens. Hein. Jusqu'à insulter même les mamans, ils oublient ça. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Ils savent que sur les médias, c'est autre chose. Vous croyez vraiment qu'avec tout ce qui s'est dit, sur les Makosola, ils n'auraient pas porté plainte aux gens depuis longtemps. Ils savent faire la part des choses. Mais tu ne viens pas toucher à l'organisme des gens. En plus, je dis, hein, ces personnes-là même qui sabotent les personnes qui leur tendent la main. Ça, vous ne réfléchissez pas. Hein? Hein? Moi-même, je suis star. Je ne peux pas aller vers qui. Mais parce que moi-même, je suis déjà star. Parce qu'il faut se voir haut dans la vie. Pardon mon objectif. Mais toi qui n'es pas star... toi, tata Sobré, tu pouvais pas garder cette relation-là intacte. Tu pouvais pas
garder cette relation-là. Essayer d'être là pour Kimi. Essayer de faire de grandes choses pour elle. Elle pouvait t'aider, elle pouvait te mettre en haut. C'est parce que tu n'as pas su être intelligente, Tata Sobwe. Tu pouvais même dire, Kimi, est-ce que je peux être même l'égérie de ta marque? Après, tu fais la publicité. Et ensuite, elle te paye. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu qui zouzou. Ça veut dire vous allumez vos panels pour faire la publicité de quelqu'un qui ne vous paye pas. Ah, c'est ça, je ne comprends pas. Où. Mais tu pouvais faire ça. Quand tu côtoies une personne qui a un organisme comme ça, qui prend de l'ampleur, qui avance, essaie d'avoir une stratégie marketing très élevée. Mais tu ne vas pas vouloir, genre, jouer à Toto Tire Nama dans la famille des gens. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Tu sais combien de personnes même sont dans la galère qui voudraient, par exemple, non, attirer l'attention de Kimi sur eux? Hein? Combien de personnes? C'est parce que vous ne réfléchissez pas où. Oh.